Moins d'une heure maintenant, du côté du contrôle de signature, nous allons retrouver la formation Cycle Life Plus Zanata. Dans cette formation également, Daisy de Porter. On retrouve la championne d'Australie, sur route, qui avait gagné ce titre en 2009, Carla Ryan, dans cette équipe également. Et nous retrouvons également, elle a brillé à d'autres, notamment Monique Vandery dans cette formation. Tous vos applaudissements pour l'équipe Cycle Life Plus Zanata. Ok, donc le maillot bleu blanc rouge dans cette formation également. Elle aussi a été championne de France de poursuite l'année dernière. Haute Bianic. Le podium de présentation, elle a été championne de France dans la Coupe de France. Elle a gagné les plus belles épreuves françaises. Audrey Cordon dans cette formation. Nous retrouvons juste à ses côtés. Elle fut lauréate d'un Grand Prix de France. Elle a brillé également en Coupe de France. Emmanuel Merdeau dans cette formation également. La Benjamin de la formation, Oriane Chaumet. Nous retrouvons également Amélie Riva qui a brillé en Coupe de France et au championnat. Souris, qui a été championne de France dans les rangs universitaires. Pour une équipe bien Futuroscope, Audrey Cordon qui a le visage des bons jours, on sent la motivation. Voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes et puis tâcher d'accrocher un top 15, ce sera vraiment super. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins bien le cyclisme féminin, la Flèche Wallonne féminine, ça représente vraiment quelque chose d'important dans l'année. Oui, c'est une des plus belles classiques avec le Tour des Flandres, c'est vrai qu'on se prépare vraiment pour ça, pour le début de saison. Le contrôle, le podium, donc de présentation, formation Wiga Landa qui peut compter sur des concurrents capables de se distinguer dans cette formation très internationale. Nous retrouvons la présence d'Anna Bianca Zismeyer qui avait brillé en Espagne à Valladolid où elle avait obtenu un top 15. On retrouve Laura Trott qui fut parmi les meilleurs à Dauphinise. Johanna Roswell, la britannique de l'équipe, avec également la présence de Daniela King dans cette formation également. Elle a terminé 4e des Jeux Asiatiques. Mayuko Agiwara et à la tête de la formation la néo-zélandaise Emily Collins qui a gagné l'Omloop Van Het Hagland. Tous vos applaudissements pour la formation Wiga Landa. Voilà, les visées lui permettent de jouer un rôle prépondérant aujourd'hui avec une nouvelle formation qui va nous rejoindre maintenant, la formation Top Sport Vlaanderen Biorasseur. Une formation Top Sport Vlaanderen Biorasseur avec les concurrentes belges donc qui la composent. Également dans cette formation, on retrouve Anisha Beckmans dans cette équipe également, la présence de Gilke Croquette et Jesse Druitz. Tous vos applaudissements pour la formation Top Sport Vlaanderen Biorasseur. Allez, jeunes Belges vont tenter de se confronter, de briller au milieu des concurrents qui nous viennent d'Estonie avec Andrei Moustonen. Formation très internationale avec la championne de France sur route et de cyclocross, Christelle Ferrier-Bruno. Dans cette équipe également, Maria Giulia Confanolianeri qui a brillé. Elle brille sur les classiques, sur les épreuves par étapes également, dirigée par David McPartland. Dans cette formation, on retrouve la championne australienne Amanda Spratt qui a brillé en étant parmi les meilleurs au trophée Alfredo Binda. On retrouve également Jessie McLean qui a brillé autour des Îles de Paye. On retrouve également Loes Groenewijk qui avait gagné le Het Nieuwsblad et qui fut parmi les meilleurs récemment au Tour des Flandres où elle était 8e. Sarah Guillot qui était championne d'Océanie du contre-la-montre et qui a gagné au Tour d'Italie. On retrouve la présence de Tiffany Cromwell qui a réalisé un super début de saison en gagnant le Het Nieuwsblad et qui avait terminé l'an passé 2e à Ploué. Elle est la tête de l'équipe, extrêmement régulière pour l'équipe. Aurika Aïs avec Emma Johansson, avec Tiffany Cromwell, avec des concurrents qui depuis le début de la saison ont montré véritablement de belles choses. 5e d'un championnat panaméricain pour la concurrente vénézuélienne. On retrouve Dorlita Escamendish dans cette formation également. Mayalen Noriega est la tête de l'équipe, elle est championne d'Espagne en titre. Anna Sanchez Schaffer, tous vos applaudissements pour la formation Pichkaya Durango.
une meilleure jeune sur les Kamanouen, Bira Mieke Kroger, qui a brillé au Sparkassen Giro, qui a brillé également en Coupe de France et au championnat du Luxembourg, dont elle arbore le maillot. On retrouve également Vera Koudouder, qui fut brillante lauréate du Grand Prix de tennis, et la tête de l'équipe Anna Van Der Breggen, qui a gagné au Tour de Bretagne et qui fut deuxième du trophée d'or. Tout le monde applaudit. Christine Majerus, bien évidemment, qui aura l'ambition d'obtenir un bon classement, ou encore Anna Van Der Breggen, excellente lauréate au Tour de Bretagne. Nouvelle formation au départ avec la formation Argos. Alors forcément un maillot que vous connaissez peut-être un petit peu mieux que les autres, et pour cause, comme quelques équipes professionnelles masculines ont leurs homologues au féminin. C'est le cas de l'équipe Argos Shimano que l'on retrouve donc au contrôle de signature. John Amy Peters, qui avait brillé en étant parmi les meilleurs au classement général du Thuringen. On retrouve également Kelly Marcus, Wilke Knoll, la présence également d'Elke Gebhardt, qui a brillé donc notamment au Tour de l'Aude et au Thuringen. Elle est la tête de l'équipe, elle a été championne du monde junior en 2011, championne du monde junior en 2012, Lucy Garner, la Britannique. Tous vos applaudissements pour la formation Argos Shimano. Voilà, le sourire sur les visages des sociétaires de la formation Argos Shimano, avec Lucie Garner qui va tenter de franchir le cap. Hein. Il y a toujours un passage compliqué entre l'élite et bien évidemment à la vue de ce qu'elle a réalisé dans les rangs juniors, il est incontestable qu'elle possède le talent pour jouer un premier rôle dans les plus belles épreuves du monde, comme ici à la Flèche Wallonne dans les jours. Dans cette équipe, la présence notamment d'Alena Amialisiouk, qui a brillé en gagnant le prologue de la Route de France et qui fut brillante au Tour de Limousin. On retrouve également Noémie Cantelli, qui avait connu la joie du succès à Ploué au Tour de Salvador et le podium au championnat du monde. Dans cette équipe également, Dalia Muccioli, qui a brillé à la Route de France, la championne italienne, les spécialistes contre la montre, Sylvia Valsecchi, Georgia Williams et Simona Frapporti. Tous vos applaudissements pour l'équipe d'Epic. On n'est pas tout à fait au complet ici, voilà, avec l'équipe Hightech Products, maintenant une équipe norvégienne. À la tête de l'équipe, Elisa Longo-Borghini. Dans cette équipe également, Emilia Fahlin, qui a gagné au Tour de l'Ardèche. On retrouve Chloé Hoxking, qui fut 6e d'un championnat du monde et 4e de l'Ardèche. Rachel Nélan, qui fut 2e du championnat du monde l'année dernière derrière Marianne Vos. Et Rossella Rato, 6e du même championnat du monde et 8e à Binda. Tous vos applaudissements pour la formation Hightech Products. Voilà, une équipe qui brille depuis le début de l'année par l'intermédiaire d'Elisa Longo-Borghini, de Chloé Hoxking ou encore donc sur la toute jeune américaine Taylor Wallis. Dans cette équipe également, à la présence de Lorraine sur le podium, elle a terminé deuxième, Hélène Van Dijk. Dans cette équipe également, la présence de Carmen Small, qui a brillé aux États-Unis, et en cyclocross, Cathy McColclou, qui fut brillante au championnat d'Italie, et Tatiana Antoshina, qui a gagné à Graz-sur-Lova, qui a gagné également au Tour de Drenthe et qui fut brillante au Tour des Flandres. Tous vos applaudissements pour la formation Mario Cipollini, Giordana, avec l'ancienne championne du monde Tatiana Gunderso. C'était en 2009 qu'elle remportait. Tendu au niveau du contrôle de signature, voilà, hein, on attend également donc signer la feuille d'émargement, mais ça aurait été sympa donc au moment de la présentation. Voilà, il nous manque la formation. Voilà, donc Emma Trott qui est invitée à rejoindre avec toute son équipe dans quelques instants. Donc la présentation, elle est concurrente. Donc le podium dans un court instant, la formation Rabobank donc au contrôle de signature et sur le podium de présentation dans quelques petites secondes. Moment toujours attendu bien évidemment avec la grande dame de notre cyclisme, incontestablement Marianne Vos a d'ores et déjà marqué de son empreinte la légende du cyclisme mondial. Pour l'instant, la formation Vos d'Allstrats qui peut compter sur Martin Graz, sur Elisabeth Armistead notamment, ou encore sur la présence d'Adrien qui a l'expérience des grands rendez-vous et qui a déjà gagné à
ce niveau de la compétition, c'était sur les routes de Van Brent. Voilà, la formation Rabobank qui va nous rejoindre sur le podium de présentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la formation Rabobank qui rejoint maintenant le podium de présentation. Rejoindre le plus sourire le podium. On retrouve également la présence dans cette équipe de Roxane Gleckemann qui rejoint également ses coéquipières Megan Garnier. Grand Prévost a connu les honneurs du titre mondial dans les rangs juniors et fut brillante aux Jeux Olympiques où elle était 8e. Lucille Dabrant a gagné à la Route de France et enfin à la tête de l'équipe à 25 ans seulement. Elle a été 10 fois championne du monde sur route, en cyclocross et sur piste, 2 fois championne. Au contrôle de signature, la formation Boxmans va s'élancer donc également dans quelques minutes et on va la présenter juste avant pour la formation Boxmans, cinquième team, formation néerlandaise au contrôle de signature avec, on disait, on rappelait sa victoire à Van Brent. On peut rappeler également son bon succès connu sur les routes du Grand Prix Saint-Malo l'année dernière, Adriana Visser. Dans cette équipe également la présence de Marieke Van Vandrooy. On retrouve également Emma Trott durante à 11h40 et ensuite le départ maintenant. Départ donné à 11h45, on est à une petite dizaine de minutes du départ. Allez, voilà donc quelques notes en musique et on va retrouver le départ dans quelques instants. Thank you.
fast guy stuff. Come on. Il a plus d'affaires, c'est lui qui compte.